Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de machin de ces morts là, je sais même plus c'est quoi le nom, bref. En fait on est à la roue. Les extrêmes des mots analyse, voilà. Alors ça, si j'avais su... voilà, alors je veux bien faire les choses dans les règles de l'art. Mais, comment dire, je ne veux pas prendre cette musique. Je ne vais donc pas prendre cette musique parce que je déteste fondamentalement ces musiques-là. Donc voilà, on va commencer. Vous aurez une musique de remplacement, vous. Alors, oula, ouais, donc en vrai, voilà. Non, il faut être quand même objectif. Donc apparemment, c'est des niveaux sync, mes couilles, bon. En fait, moi, je pense que, tu vois, ça va tellement vite, tu vois, que de toute façon, si c'est sync ou pas, dans tous les cas, faut cliquer vite. Faut pas, oui, bien sûr, fallait pas prendre le portail, évidemment. De toute façon, tu peux pas. De toute façon, si tu le prends, t'es 12 mètres parce que tu n'as aucun endroit pour retomber. Donc c'est là que ça commence, non? Non, là c'est pas rapide encore. Peut-être que je le ferai un jour ce niveau. Mais genre avec une musique totalement random, tu vois, genre musique de Molten Gear corrosive, tu vois. Ça peut être trop bien pour faire rager tout le monde. Ah, j'adore faire rager tout le monde, moi. Pour la petite histoire, j'avais fini AQ avec la musique de Super Hit Me World, mais en version low pitch. C'était fou. En vrai, c'était bien. C'était trop bien. Enfin, le niveau non, mais je veux dire, la musique, ouais. Alors, en fait, un niveau comme ça, ça va être compliqué de juger. Alors pourquoi? Parce que en fait c'est très lorny, c'est très fast, donc tu meurs tout le temps. Bah quand tu meurs tout le temps c'est difficile de juger un niveau quoi. On verra ça dans l'éditeur mais en vrai c'est pas un mauvais gameplay, hein. Enfin pour l'instant. Après il faut pas se faire avoir parce que regardez par exemple Niwa, il est extrême, c'est un peu dans le même style de gameplay tu vois. C'est genre c'est rapide et tout. Mais la contrepartie à tout cela, bah mon copain on va mettre des triggers un peu partout. Oui parce que notre gameplay, je le dis. On a fait ça à la va-vite, bon, on pouvait arnaquer un peu partout, on a mis des triggers pour éviter d'arnaquer. Ça c'est pas bien, vous voyez. De préférence, faut éviter. Alors tu peux en mettre un trigger pour éviter d'arnaquer, hein, mais oula, par contre c'est quoi ces trucs d'enculés là? Bon, c'est peut-être sync, hein, je ne sais pas. Je ne veux absolument pas écouter cette musique, c'est une horreur. Vous savez quoi? Dites-moi dans les commentaires si c'est sync. Comme ça on sera fixé. Les gens sont fixés. Ah parce que tu peux mal arriver dans ce truc là, mais comment c'est possible? Il y a un truc de téléportation. Bon, ça va être une histoire de momentum. Oula. Alors, je vous le dis immédiatement, ce clic c'est une horreur. Non mais attends, ça c'est la pire merde que j'ai jamais vue. Imagine t'es en plein milieu du niveau, d'accord? T'es là, tu dois faire un light click. Bon, le niveau perd beaucoup de points à cause de ce clic. Alors pourquoi? Parce que ce clic est méga cancer. À moins qu'il y ait une façon de le faire, je sais pas quoi. Bon, après c'est peut-être à cause de la 2.2. Je vais pas vous mentir qu'on n'est pas en 2.1, on est en 2.2, donc tant pis pour le niveau. Hein. Allez hop. Alors faut faire quoi? Ah bah oui, il y a un trigger. Ah oui, bah oui. Ah oui, là, il y en a plus. Ah, exemple, il y a un trigger. Les niveaux comme ça, j'ai l'impression qu'ils aiment bien mettre des triggers. C'est dommage, c'est dommage. Je pense qu'il y aurait beaucoup de potentiel. Hein. Déjà, si tu prends pas de musique de mort comme ça. Des musiques d'animé, mes couilles, là, ou je ne sais quoi. Là, oui, les gens qui me disent pas que c'est des musiques d'animé. Pour moi, c'est des musiques d'animé, c'est bon. Ça chante en japonais, mes couilles, là. C'est bon, hein, voilà. C'est des filles de 15 ans qui sont en train de chanter. Même pas. Donc, c'est bon, calme-toi. Et puis, si la meuf, elle a 21 ans, bah ça, je gagne une voix de 15 ans. Hein. C'est comme dommage. Tout ça pour dire que ça m'insupporte ces musiques là. Bonjour. Ah il faut cliquer ça. Alors j'aime pas. Ah j'aime pas trop quand il faut faire ça. Genre quand il faut faire un petit clic pour cliquer d'un côté mais pas de l'autre. Ça j'aime pas trop. C'est pas ma tasse de thé. Hein, je vais pas vous mentir. Mais c'est facile ici là. Hein. Enfin c'est pourquoi soudain c'est très facile. Hein. Oui il faut faire quoi là? Ah il y a une pente. Mais quel est l'intérêt de mettre une orbe et de pas mettre le sol visible? Ah oui il y a une orbe là évidemment. Non mais faut toujours mettre les orbes par dessus les portails comme ça. Quand c'est comme ça faut toujours faire ça. Ah bah bien sûr il y a. Bah oui bah, bien sûr. Évidemment, tu places l'orbe, regardez bien, c'est le truc le moins satisfaisant que j'ai jamais vu. T'arrives là, tu peux totalement passer, mais les mecs ils ont fait bon, c'est vrai on peut totalement arnaquer. Si on met une pique pour empêcher d'arnaquer ça devient beaucoup trop dur, donc vous savez quoi? On va mettre une scie, comme ceci, voilà, exactement. Tu dois cliquer l'orbe, mais en fait sauf que l'orbe tu dois la prendre vraiment tout au bout, ce qui fait que ce n'est pas du tout satisfaisant, ça n'est pas du tout intuitif, c'est vraiment pas cool à jouer, déjà les gars. Là j'aurais pas mis une black orb déjà. À cet endroit là j'aurais pas mis une black orb. Ça aurait été déjà premier point, première erreur. Parce qu'à un moment tu te dis bon on a un problème là. Ok. Le problème, la base tu vois. La base du gameplay comment il est fait. Si le problème il est à la racine, voilà. Ça sert à rien de mettre des pansements. Imagine, tu t'es cassé un os, d'accord? Tu t'es cassé, je sais pas, le fémur. Et là tu peux plus marcher machin. Et là tu te dis bon écoute, j'ai pas envie de régler le problème à la racine mon copain. J'ai pas envie de mettre un plâtre, non, moi je vais mettre des pansements. Alors certes, il n'y a plus le problème de tu peux arnaquer, mais il y a un autre problème qui fait que le gameplay est un peu mal fait. Donc voilà. Donc, bon la fin ça a l'air d'aller, hein. La fin, ça a l'air d'aller. Alors, bon, du coup, il y a que... J'ai vraiment retenu un clic qui était vraiment nul à chier. Bon, par contre, Unscreen va te reculer. Hein. Vous savez quoi, on va en discuter dans l'éditeur de ces morts. Bon, maintenant qu'on est là-dedans, je pense qu'on peut s'accorder à dire que le niveau est pas si mal que ça. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir donner un avis trop en profondeur parce que, étant donné que je mourrais 3 fois par pourcentage, bon, donc le niveau en règle générale ça va, sauf un clic qui est je ne sais plus où. Moi j'ai ma technique, tu fais F3, H, alors non pas F3 du coup, tu fais juste H. Mais ouais, il y avait un endroit de merde, c'était quelque part par là. Hein. Ah voilà, regardez, c'est là les gars, il y a des gens, c'était ici. En fait là c'est de la merde parce que bon, il y a des moving objects je pense. Là, t'arrives, ok, pas de soucis, no problème. T'arrives là, double cube, hein. Tu prends celui-là, hop, il tombe, l'autre, il va tomber. Sauf que, alors, en fait, je sais pas comment ça se passait, mais soit il touchait la pente là, guignol, là, soit ici, t'étais trop loin ou trop près. En fait, c'est très de la merde. En plus, t'as pas de bloc J, je suppose. Attends, regarde bien. Ah si, il y en a. Hop, ta gueule. Mais il fonctionne pas. Et oui, alors, pourquoi il ne fonctionne pas? Alors, c'est très simple à comprendre. En fait, étant donné que tu cliques cette orbe, d'accord? Tu cliques cette orbe, tu la hold. Là, les blocs J vont fonctionner. Mais problème, si tu hold là, tu ne prends pas cette orbe. T'es doomed. Bon, du coup, t'es obligé de cliquer pour prendre cette orbe. Voilà. En timing, évidemment, bien sûr. Mais du coup, vu que tu times cette orbe, tu cliques. Mais là, tu cliques pas, il n'y a pas d'orbe. Enfin, ça clique, mais il n'y a pas d'orbe. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, vu que tu cliques, mais qu'il n'y a pas d'orbe, bah, la nouvelle physique de la 2.2, et ben, en fait, elle fait que bah, tu rebondis. Parce que, en fait, avant, en 2.1, quand tu cliquais en l'air et que tu tombais sur le sol et qu'il y avait des blocs J, ça t'empêchait de sauter. Voilà, c'est un anti-buffer quoi en gros. Alors qu'en 2.2 ça n'est plus le cas. Tu peux toujours rebondir même s'il y a des blocs J, sauf si tu prends des orbes. En fait ça fonctionne que quand il y a des orbes maintenant. Et sinon tout le reste ça jump. Donc de ce côté là, ça casse plein de niveaux du coup. Donc c'est pour ça qu'ici c'est de la merde. Je pense qu'en 2.1 c'était beaucoup mieux. Mais là maintenant c'est très nul hein, maintenant. En 2.2 faut vraiment fixe. C'est possible hein, mais c'est... T'as vraiment pas beaucoup d'espace hein, pour passer, hein. T'as vraiment une marge de manœuvre très réduite. La décoration sinon elle est bien quoi, enfin c'est de la glow quoi. Oui, c'est littéralement Eternal, bah oui regarde, c'est littéralement Eternal Night, pourquoi? Parce que regardez, là on a les mêmes blocs design, les mêmes spikes, électro en plus hein, de toute façon voilà, on a les grounds comme ça là avec des scies et des anneaux comme ça. Voilà, bref, et des barres de glow qui passent, des lasers de glow qui passent d'en haut, jusqu'en bas. Ouais, bof, ok. Tu mets la musique d'Eternal Night, mon copain. Bon, bref. Ouais, alors par contre, mon copain, je vais passer quoi sa coupe de cheveux, là? Et là, je te le dis. Lui, il faut vraiment qu'il passe au coiffeur, mon copain. Parce que ça va pas du tout, ça. Ça ne va pas du tout. Cette personne-là, là, ça ne va pas du tout, ça. Faut pas faire ça, ne faites pas ça les gens s'il vous plaît, ne faites pas des coupes de cheveux comme ça. Ouais. Niveau bien en général, hein. Bien. Pas sensationnel, mais bien. Voilà quoi, à part le dernier clic comme je vous avais dit, hein, à cet endroit là. Et puis le clic avant là que je vous ai dit, mais ça c'est à cause de la 2.2 à mon avis. Bref, à la prochaine fois.